Salut les amis, on est le 24 juillet. On a pris hier jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 h 25 mm. Dans la nuit, on en a repris 15. Et puis ce matin, on en a repris 10. Donc, autrement dit, comme on peut le voir ici, c'est pas trempé, mais c'est détrempé. C'est même du clap, c'est de la boue, c'est tout ce qu'on veut. Et moi j'ai un dilemme, c'est que il me faut des pommes de terre pour ma vente. Je les arrache fraîches au fur et à mesure, parce que comme ce sont des pommes de terre nouvelles, que la peau ne tient pas, et je les arrache toujours fraîches pour que les clients aient encore de la pomme de terre nouvelle. Ça sert à rien de l'arracher une semaine à l'avance. Donc c'est comme ça, c'est mon système qui est comme ça. Seulement il a ses limites, c'est que aujourd'hui il a plu. Enfin, hier et aujourd'hui il a plu. Ah, j'ai la botte collée. Hier et aujourd'hui il a plu, et puis voilà le résultat quoi. C'est la misère. Alors ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Si je laisse sécher, la terre va durcir dessus. Si je les frotte, je vais enlever la peau des pommes de terre. Si je les lave, je fais pas de pommes de terre lavées d'habitude. Enfin bref. Jamais content le gars. Et bref, c'est la misère. Enfin, c'est la misère d'un sens. Moi, j'arrose pas du tout cette année. Donc, c'est le point positif, on peut dire. Après, pour les copains agris, ce temps-là, c'est pas ouf. Hein. À un moment donné, ils ont manqué d'eau. Et puis maintenant, ils sont embêtés dans leur moisson, dans le lin et tout ça. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore arraché leur lin. Donc moi, là, aujourd'hui, je suis embêté avec mes pommes de terre. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Le petit tracteur là-bas, pour être honnête, il a un petit peu de mal à se tirer, mais c'est pas parce que c'est un mauvais truc, c'est que c'est trempé, 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 quoi. Donc, enfin bref. On va continuer. Il en faut 3-4 caisses. On va essayer de faire 3-4 caisses. On va peut-être en faire que 3, puis on verra bien. Bon, tantôt, ça s'éclaircit, mais ce matin, je vous dis, on a repris 10. 10 mm, c'est. Et c'était une pluie battante. Hein. C'était pas. Bon, enfin bref. Bon, allez, on continue. À bientôt. Finalement, on va faire un rapide lavage comme ça. Après, je vais renverser la caisse pour laver évidemment le milieu de la caisse. Il s'agit surtout pas de les faire tourner. Et là, du coup, à la fin, on obtient un lavage un peu grossier comme ça. Quand même, il reste un peu de terre, mais surtout, on a préservé la peau de la pomme de terre. Et ça, c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Même s'il reste un petit peu de terre, là, tout ça, ça va ressécher. On va peut-être même les ventiler pour qu'elles sèchent bien. Celle-là, on va la remettre à laver. Je pense qu'on aura un bon résultat. Bon, petite vidéo rapide sur la météo d'aujourd'hui près du Havre. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Allez, salut, à bientôt.